En temps normal, mes vidéos sont à destination de moi du futur, pour que moi du futur puisse se rappeler du quotidien de moi du passé. Or, cette fois, j'ai l'impression qu'on s'adresse plutôt à moi du passé. Moi du passé, elle a tellement longtemps rêvé de vivre la vie de moi du présent qu'il serait vraiment bâtard de ne pas lui dédier cette vidéo. Du coup, à la Elsa lycéenne pleine de boutons d'acné parce qu'elle stresse pour son avenir, Sciences Po Paris, voilà à quoi ça ressemble. Bonjour, je m'appelle Mathurin. Je m'appelle Tess. Salut, moi je m'appelle Angelo. Bah, je m'appelle Manon, voilà. Je m'appelle Gaïane. Je m'appelle Alix. Je retourne Nora. Je m'appelle Enora. Salut, je m'appelle Mathias. Je m'appelle Victor. Bah, moi c'est Paul. Je suis en première année à Sciences Po, à Sciences Pipo. Nous sommes Jules. Salut, je m'appelle Achille et j'ai un cours avec Amine là. Bonjour, moi je suis Charline. Et coucou, bah moi je suis Salomé. Faire ma fessée. Déjà, merci Jésus, on ne se réveille plus à 6h du sbar. À quoi bon si le cours en amphi d'histoire commence seulement à 10h du matin? L'histoire, j'aime bien, mais c'est surtout pour David Todd. C'est un des profs, enfin c'est le prof le plus sexy des quatre. Lui, il essaye de faire des blagues régulièrement. En vrai, des fois c'est drôle, des fois pas trop. Il est un peu mignon et il est un peu jeune, voilà, il est sympa. Je trouve qu'on redécouvre l'histoire sous une autre perspective, c'est-à-dire que c'est pas l'histoire un peu linéaire qu'on avait au lycée où c'était, il y avait tant de dates et puis machin. Là, on est vraiment dans une perspective plus d'analyse. C'est vrai que j'ai appris à aimer l'histoire, à aimer travailler. C'est hyper dense, mais... Quand les cours se terminent, on va manger. C'est l'occasion pour préciser que maintenant tu es une grande madame qui se fait son manger toute seule, qui aussi passe la spie, fait des machines, sort les poubelles, étend le linge. Mais ne nous égarons pas trop, il est 14h, j'ai allemand, mais je vais pas t'en parler parce que malheureusement, ça n'est pas différent de la platitude du lycée. Parlons plutôt d'escalade. Figure-toi que je me suis inscrite à un cours pour adultes tous les lundis soirs où je grimpe avec des adultes. Je me sens donc peut-être pas tout à fait à ma place, mais j'en ai rien à foutre. Les grimpeurs, c'est sympa. Les débuts de semaine sont chillax au max, il faut se le dire. Du coup, j'ai le temps de participer à un atelier de cinéma. Et ça, ça me fait trop plaisir. La semaine prochaine, j'avais prévu de faire une séance sur la prise en main du logiciel de montage. Et après, en gros, il vous restera 3 séances pour monter votre vidéo. Et l'argent, frère. Non, non. Tu mets 4 étoiles. Tu mets moi, je mets 5. Et là, on arrête tout de suite de rigoler parce qu'on va en maths. Oui, t'as choisi Sciences Pipo pour bannir les sciences, mais à skip, les maths, ça continue. Les maths, faut que j'en parle. Je suis avec un mec qui s'appelle Mathurin. Il s'est sous-estimé son niveau pour avoir des meilleures notes en maths. Oh, et il est avec moi. Quel bâtard. Et je peux vous dire que c'est une torture. Parce que moi, j'ai eu 11 à mon premier contrôle. Non, s'il est avec des moches. Des moches, mais qui aime les moches? Non, comment ça marche Facebook? Vous avez une vieille, genre. Forcément sur WhatsApp, sur Facebook. Après l'horreur, soit je rentre chez moi, soit je dîne avec des copains. En tout cas, je me prépare pour la grosse journée de demain. La preuve. T'as jamais fait de raclette? Vous voulez du Pinot Gris ou du Saint-Amour? Du blanc ou du rouge? Officiellement, je suis en amphi dès 8h pour mon cours de droit, mais officieusement, je me contente d'un PDF. Nous, par exemple, notre prof d'IP, elle travaille au Conseil constitutionnel, c'est incroyable. Notre prof de sociologie, c'est une prof qui est doctorante au, au CNRS. En vrai, c'est hyper stylé parce que, par exemple, notre prof d'institution politique, c'est le conseiller d'Elisabeth Borne. Il côtoie Elisabeth Borne tous les jours, il nous raconte « Ah oui, elle a fait cette blague aujourd'hui », enfin, c'est trop stylé. Bon, à 10h, je me bouge quand même le cul et je vais en socio. On pourrait croire qu'une fois l'amphi terminé, c'est la pause midi, mais que nenni, on a cours d'histoire. C'est seulement à 15h que j'ai le luxe de rentrer chez moi, et je vais donc en profiter pour dire que j'adore mon chez-moi. Cela dit, à 19h déjà,
il faut quitter les lieux pour suivre les cours d'anglais. Et vous, du coup? Candice, t'es pas journée. Quoi? Toi, t'es resté à Attends, je peux retourner là où il fait 24? Ah, putain, il faisait 24 degrés. Demain, il fait 23. Alors, ça, c'était pas écrit dans mon script, mais je suis arrivée jeudi matin et puis. Il y a un monsieur qui apparemment est violeur et qui a été invité à parler à Sciences Po. Et du coup, il y a du grabuge. Réactionnaire, nationaliste, raciste, sexiste, LGBT aux pommes, invité pour développer ses fantasmes sur l'ensauvagement de la France. Ah, c'est vrai qu'on s'en sauvageonne beaucoup quand même. C'est sauvage. Théo qui s'appelle Faut-il être sexiste? Oui. J'ai envie de préciser que, par rapport au lycée, j'essaye de prendre mon travail un peu plus à la légère. Concrètement, l'idée c'est que, au lieu de travailler et accessoirement de vivre, d'abord je vis, et accessoirement je travaille. Enfin, j'essaye. Mais c'est un peu bizarre, parce que c'est la première fois où, c'est à nous de nous organiser, quoi. Si on n'a pas envie de réviser en soi, on révise pas, quoi. C'est nos propres responsabilités, quoi. C'est vraiment juste nous et nous. Max. Oui, clairement, tu vois, ça m'a en une heure et puis en fait ça commence. Que si j'ai pas de dance moves de techno trans perso. Ah non, mais. On verra. Oui. Ouais. Je pense pas qu'on va. Ouais. Au pire, on va se finir, c'est pas grave. Alors, la socio. Je dois dire qu'un truc assez zinzin, c'est que mon prof d'humanité politique, je l'ai étudié en terminale. Et Frédéric Gros est gentil, mais je sais pas. Il est passé un filou. Non mais c'est hyper drôle parce qu'il nous apprend des trucs qu'il a lui-même théorisés. En mode il nous dit c'est ça la vérité, mais en fait c'est juste sa vérité. Bah c'est pour ça que j'ai choisi le campus de Paris, parce qu'il y a plein de conférences, des conférences tout le temps, genre. Ça ce qui est bien, bah c'est super intéressant, et genre tu vois des people et tout, tu vois des gens connus et tout. Introduit ces dernières années à ce que... dans les richesses que nous produisons, quand vous avez à cœur la protection de l'environnement. Aussi, pour déconstruire un préjugé que moi j'avais, c'est que tout le monde est très politique, tout le monde va parler politique, tout le monde est très rigide, mais pas du tout. J'ai trouvé des gens comme moi qui sont un peu cool et qui s'en foutent, mais genre qui sont un peu plus de relax quoi par rapport au truc. Je trouve qu'en général, il y a une très bonne atmosphère et on peut tous trouver sa place. Trop bien! Pour être honnête, mes week-ends sont pas tellement différents de mes semaines. Une seule chose les rend un peu spéciaux. On va voir Lala. J'ai même pas pu te toquer, wesh. Coucou. Coucou, Basta. Du coup, avec Zizi, on est les deux qui se sont retrouvés à Paris. Donc ce qu'on essaye de faire, c'est de se voir à peu près une fois par semaine. Donc les dimanches, on dîne ensemble, soit chez moi, soit chez Zizi, soit chez Loulou. 3 semaines que je t'ai pas vu. J'aime bien parce que ça fait comme si on ramenait un petit peu de la maison dans notre nouvelle maison qui est Paris. Et du coup, ça fait qu'on a vraiment nos propres petites vies, mais t'as quand même ce petit moment qui te rattache à d'où tu viens. Le rat. Argentina. Ah si, Lorena. Si. N'hésitez pas à verser de l'argent dans le compte en banque d'Elsa. On partage ce livre en commun.